failli venir en vélo, mais c'était compliqué quand même avec les gosses, donc... Et puis le retour après, c'est pas gagné. Ah ouais, on sait jamais. Ah, ben voilà. Parce que c'est pas la grande forme quand même. Ah oui, je vais dans Pierre Gilet, j'avoue, avec nous, on était en été. Oui, oui. Quelques fois déjà même. Aujourd'hui, on roule avec la SCAP. On est mercredi, le dernier jour de mars. Et on est un beau petit groupe, ça va être sympa. On a démarré de Èbre, on a rejoint les autres personnes du groupe et on est parti en sous-bois. Il fait un temps de malade, ça fait du bien de rouler et c'est très sec pour dire que c'est le printemps. Faut en profiter hein. C'est peut-être la dernière sortie avant longtemps hein. Et puis, en arrivant. On va voir ça à 8h mais... Ça va. Il y a de la poussière un peu quand même. Hein. Ah, heureusement que j'ai mis des lunettes. Hein. Parce que là, on en bouffe. Hein. J'avais pas perdu la gourde. J'ai cru que j'avais perdu la gourde, mais non. Très joli ici. Hein. Oh la vache, il est magnifique ce sentier. Alors je le connais pas, mais maintenant je le connais. J'étais passé une fois avec des amis. Je me rappelais plus trop comment y aller. Toujours laisser des distances. Alors ici on est aux Étangs des Princes, commune de Bian, non, Verlan, je sais plus. Rénan, Rénan. C'est au moins du 95B ça je dirais. Bon, eh bien let's go. Hein. Je préfère quand on roule dans du truc qui craque, j'entends moins ma roue avant qui hurle à la mort. Voilà, ça couvre un peu près les bruits de mon roulement. C'est moins pire que ce que je m'attendais. On va laisser le jeune aller à son rythme. C'est déjà super bien ce qu'il fait. Ah, la valve qui perd. Ouais. Même si tu la serres, même si tu la bouges. Ouais, des fois, là, ça a l'air d'être bon. Ah si, encore. Ouais, c'est quand le coincé. Ah, c'est une chambre là. Bah oui. Oh bah alors là, c'est foutu.
Ça serait une tubeless, on arriverait à, peut-être à tirer encore, non, mais c'est ce que j'essayais de faire. Non, mais tu l'as brandouillé en la bloquant. C'est ça, parce que vous allez réussir à mettre. Alors, le problème, c'est qu'après, moi, je les bloque tellement que je peux plus les dévisser. Ouais. C'est vrai, hein. Ah oui, j'arrive, on peut les connaître comment. Eh ben, dis donc, ça fait vraiment plaisir. Oh. Ça tape. Ils sont venus tout nettoyer. Eh ben nickel, hein. Mieux que les gars de la commune, hein. Ah, c'est très très joli. Nickel. Quatrième jour consécutif de vélo. Ouf, je commence à en avoir plein les cuisses là. Ah, ça va, ça monte. Joli petit single qui continue. Alors vraiment un joli petit tracé là avec la SCAP. Èbre, descendant, rainant, je dis pas dans l'ordre, hein, dans le désordre. C'est rapproché de Présent-de-l'Hilaire, Sainte-Marie j'imagine. J'ai pas le tracé, je le connais pas, je suis déjà passé là, mais souvent sur des randos. Et là on est près de Villers-les-Saulneaux. On va arriver en direction de Levernois je dirais. Autour de Champé, donc on est entre le 25 et le 70, entre la Haute-Saône et le Doubs. Il y a des jonquilles partout, dommage qu'on arrive si tard dans la période des jonquilles, sinon ça aurait été vraiment un endroit magnifique. C'est le village de Chavannes. Là-bas c'est Saône. Toi tu connais peut-être, hein. Oui, je connais un petit peu, mais tant Saône, mieux. Là-bas dans le fond, tu vas voir Honan, Marvelise, dans les collines, là-bas derrière. D'accord. Le tunnel, il passe dessous, là. Le tunnel de la LGV, là. Il est là, la LGV. Ah ouais. Il passe dessous. Et quand il fait vraiment beau, on voit les vapeurs de l'usine de Lure, tu sais. Ah oui, je vois, là. Ouais, à côté d'IKEA, là. Ouais, c'est IKEA, là. Je ne connais pas ces termes, moi. Le Côte-Lo. Donc là, on repart du Belvédère. Toujours sur un petit single magnifique. Attention à la tête, ouais. Il y a des arbres de partout. Mais on reviendra, hein.
On a Geoffrey Vernet qui est passé comme un missile pendant qu'on était en pause, avec son Banshee apparemment. Mais il nous a pas vu. Ou il a fait semblant de pas nous voir, il était en train de prendre un com là. Non, un local legend. On va prendre un peu moins de vitesse hein, parce que je connais pas du tout ICX. Hop, ça passe. Ah, dites-moi que c'est celle-là la montée impossible hein. C'est dingue. Il y a du dévers ici hein. La vache. Ouais, je m'en souviens. Ça descendait comme ça. Mais avant, le chemin était beaucoup plus technique avant. Le chemin était beaucoup plus technique avant. Oui, parce qu'avant, bah on a fait le parc sur le côté, mais pour l'instant, il y a des bois partout encore. Ouais, ouais. Bref, comme d'habitude, vraiment un groupe super sympa. Je tiens à remercier donc l'ASCAP de m'avoir accueilli dans leur groupe. Il y a un très bon niveau, c'est un très bon club de rando. Je conseille à tout le monde, dans le 25 plus particulièrement, mais le 70 également, ou le 90, on n'est pas très loin avec l'autoroute, d'aller les rencontrer et éventuellement de s'inscrire dans ce club. Hein. C'est vraiment un très bon club, donc on a fait un petit apéro à la fin en respectant les gestes barrières, hein, gel hydroalcoolique. Et on avait séparé nos biscuits apéro. Quelqu'un qui s'était lavé les mains nous a fait un verre. Enfin, c'était vraiment bien organisé, aussi bien sur la trace que sur le reste. Hein. Donc je tiens à les remercier encore une fois. Et on se verra prochainement. Allez, merci beaucoup pour le visionnage. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. À bientôt les riders et les rideuses.